L'ennui, pour moi, c'est le drame des humains. Quand tu t'ennuies, c'est parce que tu manques tout. Ça veut dire qu'à tous les jours, les gens sont comme ça. Ils vivent leur vie, ils regardent le monde autour, ils ne voient rien de spécial. Tout est gris, tout est en deux dimensions. Ça, c'est le problème. C'est pas que le monde n'est pas assez merveilleux puis il n'y a pas assez d'opportunités, c'est qu'on ne voit rien. Donc, ce qu'il faut apprendre à voir, c'est ce qu'on a sous nos yeux. Donc, il faut apprendre cette lecture-là. Tu sais, les gens disent, ah, c'est vrai, en communication, il n'y a pas assez d'écoute. Quand tu ne sais pas quoi écouter, l'écoute est une activité absolument ennuyante et anxiogène. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas que la personne nous donne littéralement du matériel pour co-construire quelque chose. Mais si on n'a pas accès à ce matériel-là, on n'écoute pas l'autre, puis donc l'autre ne peut pas se sentir valorisé. On n'est pas capable d'intégrer ce que l'autre a à dire dans notre solution. Donc, la communication, les enjeux d'écoute, c'est très proportionnel à la conscience des mécanismes cérébraux et comportementaux qu'on observe.